Bonjour et bienvenue dans À votre santé, votre rendez-vous bien-être, naturopathie et médecine douce. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vital et je vous laisse deviner de quel sujet il s'agit. On peut vivre jusqu'à 30 jours sans manger, mais on ne peut tenir plus de 3 jours sans, vous l'avez deviné, sans boire. Et on va parler aujourd'hui de l'eau. Alors on sait pour une petite intro que l'eau constitue 70% du corps humain et 70% de la surface terrestre. L'eau est indispensable à la vie sur Terre, indispensable à l'homme. Et comme on l'a dit précédemment, on ne peut tenir plus de 3 jours sans boire. J'aimerais commencer par vous parler un peu de l'eau du robinet et de ma vision de l'eau du robinet. En tant que naturopathe, je déconseille fortement aux gens d'utiliser l'eau du robinet comme eau de boisson. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les études nous prouvent qu'il y a, à travers l'eau du robinet, des résidus qui ne peuvent être éliminés dans le processus de filtration. On retrouve dans l'eau, justement, des résidus médicamenteux, mais également des traces de métaux lourds qui peuvent être, justement, très néfastes pour le corps humain. Si je peux donner un conseil par rapport à l'eau du robinet, utilisez-la pour laver les aliments, pour la vaisselle, pour la douche, mais laissez-la à deux côtés pour l'alimentation. Autre chose, l'eau du robinet peut être également très riche en minéraux. Ce n'est pas un facteur justement qui peut attirer votre attention du côté positif, bien au contraire, une eau qui est très chargée en minéraux ne sera pas forcément bonne pour notre santé, elle demandera plus de travail à nos reins et à notre foie pour éliminer les minéraux en excès. Parlons maintenant des critères de sélection pour une bonne eau de boisson. Comme nous l'avons vu précédemment, une eau riche en minéraux n'est pas forcément une eau bonne pour notre santé. Il faut savoir que les minéraux qui sont contenus dans une eau ne sont pas forcément à l'état de colloïde, c'est-à-dire à l'état de biodisponibilité, c'est-à-dire dans un état que le corps peut assimiler. Une eau qui est riche en minéraux colloïdes, c'est une eau qu'on va retrouver à sa source, près des cascades, des rivières, une eau vivante. Quant à l'eau du robinet, malheureusement, c'est une eau qui est plutôt stagnante, qui a été filtrée et qui passe à travers des tuyaux où on peut retrouver justement des résidus. Donc un critère essentiel, il faut savoir, l'eau est bonne, non pas parce qu'elle apporte, mais parce qu'elle emporte. Autrement dit, l'eau va nous servir à éliminer les déchets plutôt qu'à apporter justement des minéraux. Si l'on veut des minéraux, on va aller les chercher et les puiser dans l'alimentation, dans les fruits, dans les légumes crus. Et si l'on souhaite justement éliminer les déchets, on va utiliser une eau peu minéralisée. Le critère à vérifier dans l'étiquette des eaux en bouteille, c'est le résidu à sec à 180 degrés. Lorsque ce dernier est inférieur à 300 mg par litre, c'est bon. Lorsqu'il est inférieur à 100 mg, c'est excellent. Et lorsque ce dernier est inférieur à 50 mg par litre, c'est l'idéal. Vous l'avez compris, l'eau est essentielle à la vie. L'eau est le support pour emporter les déchets en dehors du corps. Buvez donc une eau en conscience, une eau vivante. Orientez-vous vers des eaux peu minéralisées. Laissez l'eau du robinet pour des usages plutôt ménagers. Et buvez de l'eau de source, bonne pour vous, pour votre corps, vous apportant bien-être et vitalité. Cet épisode s'achève ici. Je vous dis donc à très bientôt et à votre santé.